Alors, je vous la fais en direct. On vient d'arriver à l'hôtel et de découvrir qu'on avait des chambres individuelles. Alors, petite salle de bain, a priori. Ah, attendez, la lumière. Ah, non. Voilà. Une petite salle de bain privative. Fort sympathique. Oui, coucou. Non, c'est pas mal du tout. Et donc, très très bonne surprise de découvrir que nous sommes donc en single. Tiens, de nouveau, vous me voyez, on a un super miroir. Je vais pouvoir vous faire des petits selfies. On a même deux, tiens, c'est super, avec de quoi mettre les chaussures, juste extra. Et un super grand lit, rien que pour moi. My God, my God. Ça va être juste superbe. J'ai posé la question. Normalement, la salle de sport est accessible 24 heures sur 24. Donc, en plus, je vais pouvoir aller au sport. C'est juste parfait. J'hésite entre aller au sport après le dîner ou aller au sport demain matin très tôt, puisque le rendez-vous est à 9h pour aller donc faire les visites. Voilà, donc, ma petite valise, ma grosse doudoune qui ne sert à rien parce qu'on est arrivé, il fait une dizaine de degrés, je ne vous explique même pas comment on crève de chaud. Donc voilà, alors je vais juste retourner du coup l'écran pour qu'on puisse se voir. Voilà, donc du coup je vous reprendrai certainement de temps en temps au cours du voyage. Je vous ferai donc le montage vidéo en rentrant, vous découvrirez ça à mon retour. Je vais essayer de vous mettre quelques photos, de faire un petit truc sympathique. Voilà, donc je vous retrouve plus tard au cours du voyage. Là on n'est que le premier soir et j'ai rendez-vous dans 10 minutes. Donc dans 10 minutes pour le dîner, alors qu'en France il est à peine 18h15. Je vous explique même pas, j'ai pas faim du tout. Voilà, a priori en plus il y a plein de surprises qui nous ont prévues. Donc là on dîne tranquillement. Demain soir on va aller dans un des meilleurs bars lounge où ça danse, etc. A priori en haut d'un grand grand bâtiment qui donne une vue magnifique sur la ville. On est censé voir le cirque de Moscou, enfin bref, il y a plein de petites surprises a priori, donc je pense que je vais pouvoir vous raconter tout ça et que j'espère que ça vous fera plaisir de découvrir un petit peu Moscou via cet épisode. Allez, à plus tard. Je viens de me réveiller. Ici, il est 7h moins le quart du matin. Autant dire qu'il est 2h de moins en France. J'ai un peu du mal à encaisser ce décalage horaire, de se lever vachement plus tôt. Mais ça va le faire, je me dis. J'envisage d'aller faire un tour à la salle de sport de l'hôtel pour attaquer la journée. J'essaierai de vous prendre des photos pour vous montrer comment elle est. Donc au programme aujourd'hui, donc salle de sport, après petit déjeuner, obligatoire, mais dans les règles, hein, salé. Après le sport, le réconfort. Et puis on a une grosse journée de visite prévue. Je regardais dehors, a priori il n'a pas trop neigé. Ce qui était prévu qu'il neige cette nuit, mais j'ai l'impression que ça va. Et ce soir, on est censé sortir, alors je vais essayer de faire une séance pas trop lourde pour pas être cassée ce soir. Et puis, j'essaierai de vous prendre plein de photos, et si je peux filmer par moment, je filmerai pour rajouter donc dans ce vlog. Voilà, donc je vais attaquer, je me suis fait infuser du thé vert hier soir, juste là. Vous voyez, j'ai déjà mon thé vert qui est prêt, j'ai un petit carré de chocolat, comme ça je vais faire ma séance relativement légère et je mangerai mieux après. Voilà, je vous dis à plus tard, je vais aller maquiller un petit coup pour ressembler à quelque chose. Et voilà, c'est parti pour une bonne séance de sport. Je suis équipée. J'avais tout prévu, j'avais tout emmené avec moi, donc on va tout donner. Et puis, même si c'est un petit entraînement intensif, ça permet de ne pas perdre la main avant le retour. Well, that's what took me where I need to be.
qui vient donc de se finir. Je viens de rentrer dans ma petite chambre. J'ai qu'une envie, c'est d'aller prendre une bonne douche brûlante. Il est minuit ici, donc en France, il doit être 22h et des bananes. On est allé boire un petit mojito dans un superbe hôtel. Je vous mettrai une vidéo de la vue qu'on a eue. Parce qu'on avait une vue sur toute la ville qui était au 62e étage, pardon. C'était sublime et un bon mojito en plus excellent pour pas si cher que ça, 10 euros. Donc non, la vie locale à Moscou n'est pas plus chère que chez nous, parce qu'à New York, sur ce type de prestation, mon verre il m'aurait coûté facile 20 balles, alors que là, voilà, ça m'a coûté à peine le prix que je pourrais payer dans un bar à Dijon. Donc non, très bonne adresse, je vous mettrai l'adresse dans les recommandations que je vous fais sur la destination, sur l'article du blog que je vous mettrai en lien en fait sous la vidéo. Mais là je vais vous abandonner, je vais aller prendre une bonne douche et me coucher parce que demain rendez-vous à 9h. Je crois que je vais me faire un petit jour de récup au niveau sport parce qu'on a une grosse journée qui nous attend. On a eu très froid aujourd'hui, il a fait moins 3 dans l'après-midi. Et on a passé notre après-midi à marcher dehors sur le Kremlin, etc. Donc là, voilà, je vais faire sauter le manteau, je vais enlever toutes mes fringues et aller me doucher parce que j'en peux plus. Et puis je vous laisse et je vous dis bonne nuit dans cette vidéo en tout cas. Et je vous retrouve demain pour la suite de l'aventure. Je vous ai filmé pas mal de choses, j'espère que cette petite vidéo vous aura plu. Pour le dernier jour, on va avoir très peu de choses en fait. On a une visite de l'hôtel où on séjourne, on va aller voir un endroit où on peut acheter de la vodka, il me semble, et du caviar. Et on a la visite de l'aéroport de Moscou par lequel on est arrivé, puisqu'en fait il y en a 3 des aéroports internationaux. Donc voilà, nous on va aller en visiter un
Et après, donc, on va rentrer en France, retrouver notre petite vie, tout simplement. Et voilà, j'espère que cette vidéo vous aura plu, que le montage vous aura convenu, parce que j'ai pu filmer pas mal de choses, mais contrairement à tout ce qu'on a pu voir, j'ai pas pu tant filmer que ça, parce qu'il y a beaucoup d'endroits où on peut même pas prendre de photos. Donc voilà, j'ai essayé de faire au mieux. En tout cas... j'espère que ça vous aura plu. Ça change de ce que je vous propose d'habitude, mais au moins vous aurez vu un petit aperçu de Moscou. Et j'espère que ça vous aura donné envie de découvrir cette ville, parce que j'ai été agréablement surprise. Et j'ai l'intention d'un jour revenir éventuellement, donc faire découvrir l'endroit à mon chéri et à mon fils, en combiné avec Saint-Pétersbourg, parce que Saint-Pétersbourg est une ville magnifique. Et ça, c'est déjà très très connu. Moscou est un peu moins connu. Voilà, donc si vous avez l'occasion de venir en Russie, même si le visa est compliqué à obtenir, je vous le conseille très fortement. Et voilà, donc maintenant je vais me préparer, parce que c'est dur, on n'a pas beaucoup dormi. Voilà, et je vous mettrai quelques photos de ce qu'on a fait aujourd'hui pour compléter cette vidéo. Et je vous fais des bisous et à bientôt pour cette fois-ci retrouver une vie en France.